Les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, il y a aussi autre chose qui s'est passé au courant de ce week-end. Il y a eu un plagiat de Genshin Impact qui est sorti. Ça s'appelle Zelda. Apparemment, ils en sont pas à leur premier coup. Ils ont sorti je sais pas combien de plagiats de Genshin Impact au cours des dernières années, ce que je trouve scandaleux d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde qui pense que ça va être un GOTY, même si, encore une fois, les mechas sont sérieusement recopiés de Genshin Impact, hein, que je trouve scandaleux. Mais bon, hein, vu que c'est Nintendo, Nintendo, trop bien. Pendant ce temps-là, MiYoYo, ils font des masterclass, mais vas-y, c'est pas grave. Les gars, quand je vous dis que c'est une copie de Genshin, c'est grave. Hein. Vous rendez compte lorsque leur personnage là qui s'appelle Zelda, lorsqu'il saute dans le vide, il y a une sorte de delta plane qui se déplie, mais genre comme dans Genshin Impact. C'est bizarre. Et donc du coup les amis, nous allons partir pour un let's play sur Zelda Tears of Kingdom, les larmes du royaume. Je n'ai jamais joué à un seul Zelda de ma vie. Aujourd'hui ça va être ma première fois. Mais avant de vivre cette grande aventure, laissez-moi vous parler du sponsor d'aujourd'hui, Summoner's War. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, Summoner's War c'est un RPG qui comptabilise au total plus de 180 millions de téléchargements à travers le monde. Et perso, ce que j'apprécie particulièrement avec le jeu, c'est vraiment de pouvoir prendre mon temps, vu que c'est du tour par tour, ça me laisse vraiment le temps de réfléchir à ce que je vais faire au niveau de mes actions, et de créer des strats avec mes runes pour avoir une équipe la plus optimale possible, que ce soit pour gagner des matchs en PVP, en PVE, en ligne ou hors ligne. Et d'ailleurs, justement, en ce moment même, c'est le 9e anniversaire de Summoner's War, et jusqu'au 11 juin, vous pourrez gagner jusqu'à 100 parchemins spéciaux en jouant au jeu et en faisant des activités dans le cadre d'acquisition de pièces de monnaie. Et ces parchemins, bah justement, ils ont une utilité, puisqu'à chaque fois que vous les utiliserez, ils vous rapporteront des points avec lesquels vous pourrez gagner un coffre spécial rempli de récompenses super stylées pour votre progression. Et avec tous ces cadeaux incroyables, je pense que c'est plus ou moins le meilleur moment pour commencer à jouer à Summoner's War avec vos potes. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour télécharger le jeu et à utiliser le code 9OutSummoner et participer à l'événement du 9e anniversaire pour obtenir plein de récompenses. Merci encore à Summoner's War de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant que ça c'est dit, passons au gameplay. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde. Je ne ferai pas la blague. Ok, moi je vais pouvoir commencer à me déplacer là, regardez. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Allons vite élucider ce mystère. Elle a un iPhone, wesh. Attends, ça fait beaucoup de données pour moi là. Est-ce qu'on est d'accord qu'elle vient de prendre une photo pour mettre ça en story Instagram là, Zelda? Vachement médial, le monde, bravo. Oh. Ah. Qu'y a-t-il? Des fresques, ici? La grande guerre qui déchira le monde jadis. Ce personnage ressemble aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonao. Sonao! Et là, regarde, ce sont des Iliens comme nous. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Et je suis sûr qu'on peut en faire beaucoup d'argent, princesse. Revendez-le! Allons voir un peu plus loin. Bon, combien que je vais devoir me battre pour sa gueule et que ce sera débrouille-toi en rien. Alors là, par contre, ça m'inspire pas confiance, hein. What the fuck? C'est quoi ça? Oh là! Oh! 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 Oh non! Oh bah. Ah! 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 Et merde! C'est encore à moi d'y aller quoi! Oh! Attends, mais je suis possédé là? L'âme purificatrice. Oh là. Oh là. Oh, c'est la merde, les gars. Le château d'Hyrule est protégé par le patrimoine de l'UNESCO. Ça va vous coûter très cher. Ah ouais, putain. Oh, merde. Tu vas bien? Est-ce que tu as l'air d'aller bien? Ah, putain, c'est la scène de Spider-Man, ça, j'en connais. Oui, donc du coup, c'est une sorte de greffe. Bah, j'ai à nouveau un bras, les gars. Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie. Mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. T'es un chevalier de légende, que voulez-vous? Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer. Ou tu aurais péri. Épée de légende érodée. La lame purificatrice, épée au lancer sacré, a été corrodée suite à une attaque de miasme dans le sous-sol du château d'Hyrule. Bon les gars, il va nous falloir un forgeron d'élite. Du coup, je vais mettre une annonce dans le canal commerce de Dofus. Cherche forgeron niveau 100 et forgemage expérimenté Nonoum Noarnak. Et bah écoutez, le château est complètement en ruine et Zelda, on sait pas où elle est. C'est super ça comme début de jeu, hein. Wouhou! Ok, donc même de très haut, on subira pas de dégâts. Il faut noter ce plongeon, les gars. Continuons un petit peu notre aventure.
Comment je vais faire pour récupérer mon cœur? Genre par exemple dans ce coffre là, il doit bien y avoir de la vie. Un froc. Oh yes. Je ne suis plus un nudiste. Attends mais ça doit être dévasté là par contre. Tu vas me dire que là c'est le château et on est en plein milieu des cieux. Putain j'aime bien, le monde est vaste et tout là. Non mais les gars vous allez m'insulter mais on dirait vachement Genshin Impact quand même. Ils auraient pu faire un effort les devs. Plagier comme ça sans vergogne. Stop it. Ah c'est beau. Comment il va faire pour se rattraper là? Oh, d'accord, très bien, tu veux te battre? Relève-toi, debout. Attends, j'ai plus d'armes! Au secours! Attends, je fais comment pour me battre là? C'est pas juste, t'es armé, mec! Ah, là, il y a une manche. Ah ah! En garde! Trop facile. Non! C'est moi ou il y a encore un monstre là-bas au bout? C'est encore un golem? Ouais, je crois bien que c'est un golem. Tu veux te battre? Ah ah! Nope! Ce n'était pas un golem. Ah. Je t'attendais, Link. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. Une Switch ! Elle est OLED en plus. C'est incroyable. Tu pourras te connecter en câble Ethernet et jouer en 4K Ultra HD. C'est la dernière invention de Hyrule. Ah ! Ça ressemble beaucoup à Genshin Impact. Ok, j'arrête. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. Je n'ai pas d'autres informations à te transmettre. Démerde-toi maintenant. Ah, t'as un bouclier maintenant, toi ? Wow. Attends mais c'était une épée ça. Il m'a fait vachement mal. Ok j'ai un bouclier. Mon bras bionique, active-toi. Je me demande ce que c'est que ce bras. Ah bah c'est qu'est-ce que je dois faire? Je dois battre des ennemis pour ouvrir c'est ça? C'est inutile, tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Mais t'es qui toi? C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Ah c'est un Sonao. Je suis Rao. Propriétaire du bras droit, d'accord. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Oui, bah écoute, si c'est si gentiment demandé. Le sanctuaire Uko. Oula. Donc pour avoir accès au temple, faut que je fasse ça d'abord. Tu te trouves dans un sanctuaire purificateur. J'ai jadis baigné cet endroit de mon pouvoir de lumière. C'est cette même lumière qui devrait être capable de rendre ton bras et ses pouvoirs perdus. Emprise. Ce pouvoir permet d'attraper un objet et le déplacer à distance. C'est-à-dire je peux prendre un caillou et le balancer sur quelque chose, en mode Jedi à la force, quoi. Ah, mais c'est pour ça que j'ai vu que des dingueries sur Twitter. En fait, les gars, faut savoir un truc, vous l'avez peut-être pas vu, mais en fait, si vous voulez, le jeu, ça fait même pas 2 jours qu'il existe, qu'il y a déjà n'importe quoi sur Internet. Regardez ça. Ça fait même pas 2 jours que le jeu, il est sorti, hein. Voilà. Donc, c'est... Ah, quelle magnifique chose que... l'imagination. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Oui ! Il faut les coller entre eux. Oh ! Alors c'est très mal collé, mais ok. Écoute, tant que ça marche. Ok, donc il y a un truc comme ça que l'on accroche. Ok, très bien, bon, nickel. Aussi simple que ça. Le professionnel en action qui va devoir faire pivoter. Oui ! Oh putain, la mort aurait été horrible. Attends, il y a un problème dans ce que je fais là. Voilà, là on est bien là par exemple. Ensuite on descend et là on colle. Voilà. Oh oui, Geronimo. First try, hein. Je pense qu'il te faudra terminer 2 sanctuaires supplémentaires si tu veux ouvrir la porte du temple du temps. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Confirmation du fonctionnement du radeau et de l'artefact Sonao. Ah, je ne t'avais pas vu. Pardonne mon incorrection. Tu veux un radeau? Ah bah je veux bien, oui. Prends un de ceux qui sont sur la rivière. Je fais comment là? Tape-le. Ah. Ok, bah nickel. Elle faut... Non! Non! À l'aide! Non! Oh! J'ai pris super cher! Je crois de tous les streamers, je dois faire la pire run, mec! Mais c'est ça le problème avec moi, c'est que j'ai du mal avec tous les jeux! Attends, mais on est d'accord, là, il y a de la buée, on a l'impression. C'est une source chaude, ça, non? C'est pas une source d'eau chaude, ça? C'est pas. C'est... Alors, il y avait de la buée. Par définition, de la buée, c'est chaud. Allez, sanctuaire, goûtant bâti. Donne-moi ta main droite, s'il te plaît. Nouveau pouvoir, infiltration. Bon, c'est le 3e, ça veut dire que j'ai loupé le 2e. Donc là, on va pouvoir utiliser un pouvoir qui me permet de traverser les étages. Oh, incroyable! Ok, waouh! Hache caillouteuse. Oh, je vais pouvoir couper du bois avec ça, non? Ouais, on va se taper. Aïe, putain, il vise bien. Comment je vais faire pour sectionner ça? Ah, peut-être avec la hache, non? Oh oui, ça marche bien. Bien, c'est bien. Ah, il y a une notion de timing, j'imagine. Bon, c'est bon, il nous félicite, let's go!
Enfin un froc. Est-ce que je vais avoir moins froid maintenant? Est-ce que je peux avoir un t-shirt aussi par pitié? C'est quoi ça là-bas? Bien voilà un raciste. Non, un... Voilà qui est rarissime sur ceux qui arrivent jusqu'ici. Tu vois cette ouverture en forme de récipient de cuisson? Jette-y les matériaux et ils seront transformés. Et on balance tout, c'est ça? Ouais, ok, c'est bon, je balance. Oh, oh, c'est sympa ça quand même. Planeur, let's go. Ça c'est quoi ça? Je peux aller ici? Non, par pitié, non, le con. Non. Oh, pourquoi j'ai tellement peur de rater la rampe de lancement là par contre? Ok, là on est pas mal. Pas grave, j'ai mes chemins de raccord. Oh, cette run est vraiment catastrophique. Ça va être mieux, je pense. Ok, allez, dernier donjon, les gars. Ouais. Alors, amalgame. Ah, super. Le meilleur super pouvoir. Oui, je suis raciste. Quoi, raciste? Oui. Hein? Alors, ce pouvoir permet de fixer un objet à l'arme ou au bouclier dont vous êtes équipé pour obtenir une nouvelle version. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure arme, quoi. Espadon rouillé. Bouclier en bois, ZL et épée rouillée. Oh, ah oui, ah c'est bizarre quand même, mais d'accord. Oh, ok, et donc là je peux... Oh, ah oui, d'accord. Oh, mais c'est génial, j'adore la mecha. Donc par exemple, là je peux détruire ça pour avoir un coffre. Oh, j'adore. Fruit de feu, prendre. Donc je le balance, et là maintenant j'utilise amalgame, fruit de feu avec... Attends, bah attendez, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Bah c'est nickel, flèche de bois, regardez. Bah écoutez, je sais pas ce que je... Non mais le jeu il peut me dire d'aller me faire foutre hein, c'est pas mal aussi. Oui. Enfin. Oh c'était dur putain. Petite clé. Quand Locke il dit qu'il avait jamais rencontré un mec aussi nul au jeu vidéo que moi. Pendant longtemps j'ai cherché à le contredire. Et maintenant je pense que c'est un peu dur de se défendre. Ouch. Ah ouais putain, un cœur. Attends mais j'avais... Déjà on va manger un truc parce que là concrètement ça fait mal. Attends, je peux viser les yeux non? C'est pas ça, ça fait mal ça. Un coup critique si je me trompe pas. Bon, je pense que c'était pas la manière la plus optimale de se battre. Bon, j'ai mis du temps à comprendre. Ok, c'est des mécaniques qui sont intéressantes. J'aime beaucoup. On va pouvoir aller au temple pour voir ce qu'il en est de Zelda. Voyons voir ce qu'il y a derrière la porte. Très mauvaise idée de toucher ça. Oh, tiens, ma main droite. Donne-la lui. Ok. Adieu madame. Rétrospective. Ce pouvoir permet d'inverser le mouvement d'un objet afin de le faire revenir vers son emplacement précédent. Ce mouvement inversé peut être interrompu à tout sens. Ah c'est pratique ça. On va tester avec les engrenages du coup. C'est clairement Dio. Hein. Bah voilà, first try. Aussi simple que ça. Voilà. Ouvrons cette porte. Hein? Attends, je perds de la vie là? J'exige qu'on me rembourse mes cœurs parce que la cuisine, c'est pas eux qui, hein. Il reste un sanctuaire sur cette île. Tu devrais pouvoir y trouver une lueur bienfaisante. D'ailleurs, chaque sanctuaire en contient une. Si tu les réunis, que tu les offres à la déesse, elle devrait pouvoir te venir en aide. Montre-moi ta tablette. Elle possède une fonction de téléportation. Ah, super, enfin. Je peux TP jusqu'ici. Alors, le sanctuaire de Nacho Yaha. Non, 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 par pitié, non, non. Il y a du courant, hein. Ah, c'est celui-là qu'il faut utiliser, d'accord, ok. Ah, oh, bon, ça va être simple. Oh mon dieu, mais vraiment, hein, si on m'avait dit que j'allais pouvoir utiliser The World, j'y aurais pas cru. Hein. Qu'est-ce que. Hein? Ah! Ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'il est venu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Utilise ton pouvoir quand ça se croise, attends. Hein. Putain! Ok, juste une histoire de timing du coup. Bah dernier donjon fait. Allons retrouver Zelda du coup. Ok, prions la déesse. Est-ce que je vais avoir plus de vitalité du coup ou pas? On peut t'offrir plus de puissance contre 4 de ces lueurs. Je vais t'offrir ce que tu désires. Ah, nice. Attends, mais on est d'accord, là, tout à l'heure au début du jeu j'avais genre 120 cœurs. Donc à la fin je serais limite invincible. Donc là c'est bon, avec 4 cœurs je peux ouvrir la porte. Juste attends, hein, fallait pas avoir 3,5 sinon tu mourrais. Hein. Tu as réussi à ouvrir la porte. Zelda avait raison à ton sujet. Prends soin d'elle. Je te la confie. Quoi, c'est son père? Zelda, j'arrive! J'arrive, Zelda! Non, 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 non! Bon, allez, encore une lueur. Épée purificatrice. Réparée, peut-être? Attends, du coup, on a retrouvé Zelda? On a envoyé notre épée dans son monde. Bah, j'ai perdu mon épée, bah génial. Zelda, sale pute. Merci beaucoup. Je vais faire comment pour me battre maintenant? Ok, bon. Shenron. Oh là, wow, le deuxième monde. Link,
Link, je t'en prie, retrouve-moi. Allez, saute, MDR. Geronimo ! À moi l'aventure, à moi l'affrontement contre Ganon. Je suis beaucoup trop curieux les gars, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans ce château. Je sais pas vous, mais je trouve que ce château il a l'air vachement accueillant en face. Genre je sens qu'on peut faire des dégustations de vin du domaine. Moi je trouve ça très intéressant et j'aimerais vraiment m'y rendre. Professeur Prua, le chevalier il est revenu. Bah, t'étais où? On t'a cherché partout. Qui êtes-vous madame? Je veux un rapport des plus détaillés. Mommy, step on me, sit on my face, mommy. La première waifu du jeu. Mesdames et messieurs, j'espère que ce let's play vous a plu. Franchement, première fois sur le jeu, que ce soit tout Zelda confondu, mais vraiment très sympa. J'ai adoré le gameplay. Je trouve ça très original et l'ambiance est très posée. C'est vraiment du slow run et du pur plaisir de jouer à ça. Merci d'avoir suivi le stream. Merci beaucoup d'avoir participé au chat. J'espère que mon skill incroyable en tant que joueur vous aura impressionné. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.